président politique était une initiative personnelle du chef de l'État. C'était peut-être une requête d'un certain nombre de personnalités, et locales comme internationales, au terme donc d'un processus électoral qui a connu quelques soubresauts liés, sans doute, aux réformes du système partisan et aux réformes de la charte politique. Il est évident que, au regard des nouvelles donnes, et de la nouvelle donne qu'ont impliqué ces réformes, certains partis qui n'ont pu se mettre à jour se sont sentis mis à l'écart. Le processus ne pouvant pas attendre a dû aller à son terme sans eux. Cela a mis tout le monde dans un malaise. Il fallait bien remettre la balle à terre. Les exilés, vous savez, en droit, les mots veulent dire que des choses. Donc, en droit, un exilé, c'est quelqu'un qui a été obligé de quitter. Je ne donne pas la définition. Je ne donne pas la définition des Nations Unies, hein, de déplacer ou bien de réfugier ou de la patrie, mais je donne au moins une définition terre à terre de l'exilé au sens politique. Dans le cas du Bénin, personne n'a été obligé de quitter. Puisque il n'y a pas de police politique au Bénin. Nous avons des institutions régaliennes. On a des institutions étatiques, relevant de notre constitution, des institutions régulièrement en place. Donc si pour des raisons ou pour d'autres, des gens, légitimement ou non, ne se sentant plus en sécurité parce qu'ils ont des situations qui les mettent en difficulté vis-à-vis de l'État, et qu'ils ont choisi d'aller à l'extérieur, on peut le déplorer. On peut le déplorer. Quand la justice vous invite et vous avez peur, vous allez quitter. Bon, on peut vous comprendre. Parce que vous avez peur pour votre sécurité. Mais c'est la justice du pays. Pour moi, autant vous avez le droit d'avoir peur, mais autant on ne peut pas s'en prendre à notre justice. Donc, moi, je ne peux pas considérer ces personnalités comme des exilés, quoique leur reconnaissant leur droit. Donc de s'être isolé du pays, hein, de s'être mis dehors. Et je, comme on dit, qu'en tant que citoyen, on doit pouvoir apprendre à rester et à répondre à la justice de son pays. La démocratie, c'est complexe. C'est une majorité, c'est une opposition. C'est parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas être... où tout ce qu'on vous reproche devient des actes... contre votre liberté, c'est parce que vous avez mal à partir avec la justice, alors que vous avez lutté dans l'opposition que la justice vous traque. Non. Nous devons savoir accepter les règles du jeu démocratique. C'est complexe, c'est difficile. Mais comme le dit l'expression latine, dura les sedes, la loi est dure, mais c'est la loi. Je pense que au Bénin, pour moi, je continue de penser qu'il y a beaucoup, il y a peut-être des compatriotes qui sont dehors parce qu'ils ont peur. Il faut peut-être les rassurer. Il faut peut-être les rassurer. Il y en a qui sont en prison et ne sont pas convaincus qu'ils doivent être en prison. Mais il y a plein de nos citoyens, plein de gens qui sont condamnés par-delà le monde et ils sont convaincus qu'ils sont innocents. Légalement. Et Galilée, dans l'histoire, a dû boire la ciguë, tué, parce qu'il disait que la terre tournait. Et au dernier moment, quand il devrait dire sa dernière parole avant d'être tué, sa dernière volonté, il était désemparé en expliquant. Et pourtant, ça tourne. Parce qu'il était tellement convaincu que ça tournait. Sauf ceux qui étaient en face de lui, qui n'y croyaient pas. Donc, c'est pour dire que la vérité d'aujourd'hui, pour certains, n'est pas la vérité pour d'autres. Et celui qui est convaincu qu'il a tort, qu'il a raison, et qu'on l'a condamné à tort, a peut-être raison aussi. Mais il fait que nous devons avoir confiance en nos juridictions et dire que c'est nos juridictions d'aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Mais la justice de l'homme reste toujours la justice de l'homme. Donc, c'est le Bénin, c'est la Constitution, c'est la justice du Bénin. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, on prend avec. Tout comme la justice mondiale. Les gens sont condamnés et au dernier moment, des années après, on montre qu'ils sont innocents. Mais la justice, c'est la justice. Donc, c'est pour dire que quoi? Pour dire que nous devons, les cas individuels ne peuvent pas valoir cas national. Et c'est dommage parfois que certains transforment leurs cas en des cas nationaux.
Cela dit, moi je respecte toujours l'heure. Je me dis chacun, nous sommes tous les Béninois, chacun organise sa vie comme bon le sent. Oui, je trouve que c'est quand même logique. Ça fait depuis 1995, 24 ans que nous traînons avec les 43 députés. C'est logique. Il y a eu un accroissement énorme de la population. Je trouve qu'il y a un besoin qu'on puisse évoluer un tout petit peu. Je suis de ceux qui pensent que oui, on peut continuer avec 83. On aurait pu rester au 64 de 90. Mais si le 4 ballon est resté à 64, si le 4 ballon est arrivé à 83, je trouve que bon, fait 5 ans après, c'est logique, un quart de siècle, c'est normal. Qui aime un réajustement, en espérant que, bon, peut-être que c'est tous les quarts de siècle qui en auraient, c'est pas mauvais. Ce qui est normal également, il faut qu'on aligne les mandats. Ça fait très longtemps que moi je suis militant de cette situation. Vous savez, les sommes colossales que nous dépensons pour les élections. Beaucoup ne voient que les sommes que nous dépensons. Mais il y a les sommes induites, il y a les dépenses induites. Mais quand il y a élection, combien de personnes travaillent réellement? Et quand il y a élection, regardez le tissu social prend un coup. Parce que nous ne sommes pas obligés de soutenir les mêmes candidats, mari et femme, parents et enfants. Donc, les amis, la liberté que nous avons de soutenir chacun son candidat fait que plein de relations, des relations sont mises à mal. Il faut du temps pour les coudre, les recoudre, les ressouder. Je pense que en mettant en place le dispositif d'alignement des mandats des directions générales, je trouve que le dialogue politique et les comités des experts, ça fait du très bon boulot. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que, oui, il y a une année électorale tous les 5 ans. Nous finissons avec, on passe à autre chose. Une constitution est faite pour être touchée. Pas maladroitement, pas opportunément. Mais une constitution, ce n'est pas du marbre. Et même, ce n'est pas taillé dans du marbre. Et même ça, aucune œuvre n'est pas faite. Aucune œuvre. Même les religions ajustent leurs dogmes. Même les religions ajustent leurs dogmes. Donc, si les religions ajustent leurs dogmes, comprendre une constitution qui est loin d'être religieuse ne peut pas s'ajuster au fil des temps. Je pense que la constitution de 1990 est une très belle constitution. Elle a beaucoup d'imperfections. Elle a fait son temps. C'est normal qu'on lui fasse des ajustements. Mais là encore, qu'est-ce qu'on ajuste d'ailleurs? On ne touche même pas à son essence. Donc c'est une constitution qui, pour moi, qui ne bouge pas, qui est restée intacte. Si c'est les éléments de aliment de mandat, discrimination positive, coup suprême et coup des comptes, comme je vois, création de poste de vice-président de la République. En fait, on a juste amélioré l'environnement immédiat. On n'a pas touché à une question fondamentale. Peut-être dans tout ça, la plus grosse question qu'on doit régler, c'est la question des mandats et de direction générale, de l'alignement des mandats et de création de postes de vice-président. Mais là, c'est pas. Non, je pense que la question du 11 décembre est encore intacte. Non, je voudrais dire que le Bénin, il est pour nous tous. Je voulais dire également que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et sans que la minorité soit lésée. Je voulais dire enfin que nous devons apprendre à perdre. Nous devons apprendre à avoir du profil des gens qui savent perdre et qui savent gagner. Et là où on est tombé, on peut se relever. On dit le tout n'est pas de tomber, que ça va se relever et de reprendre la marche. Donc, j'invite tous les Béninois à accompagner le processus actuellement en cours. Le président Talon bâtit un Bénin pour demain. Parce que cette association active et tous ceux qui soutiennent l'initiative, je pense que demain, la génération qui va suivre, la génération future, leur sera reconnaissante. Car si toutes les générations politiques avaient su prendre des mesures aussi hardies, le Bénin ne serait pas à ce niveau aujourd'hui.